Toutes ces coupures, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée, les gars, sur le serveur Eratz. Et bien sûr que oui, les gars, je n'ai pas lâché Eratz pour autant. Je suis sur Eratz pour un petit match-up. Yop, les gars, on a un yop. Alors, j'ai une petite exclue, les gars, pour vous par rapport à ce yop contre le frérot Mathéus. En sacrieur, Mathéus qui a sorti son sacri et qui est déjà grade 5. En vrai, bah GG à lui, franchement. S'il arrive à prendre du plaisir à jouer sacri actuellement, franchement, grand bien lui fasse. Moi, je n'y arrive pas. Et là, les gars, le yop qui n'est nul autre que le frérot Okla, les gars, qui a sorti un yop, bien évidemment. Alors, petite exclu encore une fois sur la chaîne ici. Là, vous allez voir, je vais essayer de rec 3 combats du frérot de Okla avec son yop qui est vraiment pas mauvais. Il a vraiment des bons modes, un peu à la hibiscus, même si lui, il a un peu... Ouh, le C Doppel, là, ça fait super mal. Le C Doppel, 8 PA dans le vent. Mais oui, non, en gros, c'est un petit peu à la hibiscus. Il a quand même beaucoup de modes différents. Il peut brain pas mal ses adversaires, mais lui décide de jouer vraiment des modes un peu plus traditionnels, c'est-à-dire des modes Terrell, des modes Arcadie, peut-être Aztec aussi. Mais il va pas venir forcément utiliser des Loponaises ou des trucs comme ça. Un peu moins exotique que Hibiscus, mais tout aussi efficace au final. Et il arrive vraiment à gagner des cras, à gagner certains sacrieurs, etc. Là, on va voir un petit peu contre Mathéus, qui est pas mauvais en sacrieur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et alors, les gars, autre exclu également, c'est que Okla, ce soir, je mettrai le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il va sortir une série de 10 vidéos. Donc la première sort ce soir sur son yop. 3 combats par vidéo, vous allez voir, ça va vous régaler. Il a vraiment sélectionné les meilleurs combats qu'il a joués. Donc n'hésitez pas, les gars, à aller, parce que ça, il me l'a dit avant que je commence à rec ici. Il m'a fait, vas-y, coupure dealer, tu peux leur dire que le yop, c'est moi. Et que ce soir, donc normalement, le jour où je sors la vidéo, il y a une série de 10 vidéos qui va commencer sur sa chaîne. C'est la première ce soir. 3 combats par vidéo. Il a sélectionné les meilleurs combats yop. Donc si vous kiffez, les gars, les combats yop, n'hésitez pas à aller suivre ça sur sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. Et allez vous abonner, ça lui fera super plaisir. Le frérot Okla, les gars, on se soutient entre membres Hades. On se soutient. Et on va voir un petit peu. Là, il a décidé de clean le chaffeur, de clean un petit peu, tout ce qui peut permettre à Mathéus, en fait, se régène, tout simplement. Parce que Mathéus va faire un Doppel, ok. Ou attention, le Doppel qui peut venir attirer Okla, mais vers le bas, ce qui n'avantagerait pas Mathéus. Normalement, il va aller vers le haut, mais il peut aller vers le bas. Il peut aller là où est la Kawatt maintenant, ok, ça va. Non, ça va, ok, il va attirer vers le haut. Donc, Okla qui se rapproche, en vrai, c'est pas terrible, terrible pour Mathéus, mais... Mais en vrai, ça va. Il n'est pas si près que ça, mais en vrai, ça aurait pu... Mathéus, là, qui a un peu mal joué avec son Doppel, il aurait dû l'invoquer une case plus haut. Parce que là, le Doppel qui aurait pu vraiment descendre vers le bas et attirer Okla vers le bas. Et là, Okla, je pense qu'il aurait saisi l'opportunité d'aller mettre des gros coups de cac. Parce que là, les gars, il est surboosté, là, Okla. Vraiment, il est surboosté. Ce yop est dangereux à l'heure actuelle, hein, vraiment. Ce yop est un putain de danger public, hein. Moi, je ne risquerai pas d'aller tout près. Regardez ça, des bêtes épées d'yop sur du 0%. Le mec qui tape du 400, c'est n'importe quoi. Et le Doppel qui vient encore booster. Le sacré, le Doppel yop, les gars, un des Doppel les plus importants. Peut-être pas les plus intelligents et les plus impactants dans le combat, mais les plus importants, parce que vraiment, les boosts qu'il octroie, c'est vraiment incroyable. Vraiment, il vient booster, mais de ouf à chaque fois. Le yop, donc c'est un truc de malade, vraiment. C'est un peu à l'effigie du Doppel Oza, qui vient vraiment booster énormément son invocateur et les autres invocations de l'Oza. Donc c'est pour ça que le Doppel Oza, pour moi, reste top 3 meilleur Doppel. Mais ok, voyez, Okla bien intelligent, qui vient clean à chaque fois toutes les invocations, tous les moyens de ré... Oh, le coupé, le deuxième coupé. Mais c'est une blague. Moins 5 PM sur Mathéus, les gars, mais c'est n'importe quoi. Après 147% d'esquive, c'est colossal, hein. Et la Kawatt qui est invoquée, très bien joué de la part d'Okla. Le Doppel qui vient encore une fois se coller, il vient booster en fait tous les tours. À chaque fois qu'il peut mettre une ampli, il vient mettre l'ampli. Donc ça, il faut savoir jouer avec ce Doppel, en vrai. Il faut savoir jouer. Mathéus qui claque la coupe et qui vient donner des coups d'Ouga. Ok, Mathéus qui vient donner des coups d'Ougarto. Il la joue Ougarto contre Yop. Je l'aurais peut-être pas joué comme ça, moi, perso. Alors, oh là là, le brocle, les gars, le brocle, et c'est parti, les épées du jugement pour ce régène de la part d'Okla. Très bien joué, l'inti également. Et Mathéus qui a claqué la co pour le coup, il ne peut pas se rapprocher à moins d'avoir éventuellement une Kawatt transpo, mais il a déjà claqué sa Kawatt, hein, donc il n'a pas...
Non, mais de toute façon, même si le Doppel, j'allais dire putain, fait chier le Doppel, mais Matheus qui ne peut pas vraiment l'utiliser pour coop, et vu qu'il vient de coop, et pour pouvoir bah, éventuellement mettre une punition. Il commence à être doucement au petit pupu. Bon, on a quand même Okla à 48% de résistance neutre, hein, donc il est relativement bien. Il va se prendre une petite punition, même si une petite punition fait déjà très mal. Hein. 4 PA pour du 700-800 dégâts, c'est colossal. Hein, mais ok, là, Matheus, qu'est-ce qu'il va faire? Attirance, détour, attirance, cac. Ah, bah, il a passé avec 4 PA, le frère Matheus. Un petit peu, je pense qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Je sais pas si ce tour-là était si worse que ça en vrai. Là, par contre, il va prendre cher. Hein. Il va prendre cher. Oh, maîtrise des baguettes. Il va prendre cher. Oh, j'ai cru que c'était un ECCAC. Oh, Bourbier. Oh. Voilà. Bah, Matheus, là, il est des optis pupus. Hein. Qu'on soit clair, il est des optis pupus. Voilà. Il est des optis pupus. C'est n'importe. Oh, le Doppel en plus qui carry. Le Doppel qui carry. Et là, Matheus, ouais, il va falloir faire attention, parce que là, on a vraiment Ayop qui, il est full boosté, l'attirance est chez critique, il peut encore mettre deux coups de cac, hein. Il peut encore mettre deux coups de cac avec son attirance, l'adéro, il a bien anticipé la coco, les gars, hein. Il a bien anticipé la coco, on a vu, et un petit coup de corps à corps, ouais, 170 dégâts, c'est pas terrible, mais là, on a, est-ce que Okla ne le termine pas, en vrai? Est-ce que Okla ne le termine pas? 1300 points de vie restants, est-ce qu'il ne le termine pas en vrai de vrai? À la tempête de puissance et à la baguette, c'est parti les gars, la tempête qui a fait tellement mal. La tempête qui a fait tellement mal. Mais regardez-moi cette tempête et Okla qui arrive à gagner un sacri les gars, incroyable. Nickel les gars, on a notre premier combat. On va essayer de vous en faire un, on va essayer de vous en faire un deuxième, on se dit à tout de suite. Oh les gars, on se retrouve pour le deuxième combat, toujours en compagnie du Yop d'Okla. Oh, Okla qui prend l'ini. Oh, l'arc qui risque de faire très mal sur du 10% de résistance neutre contre un Enutroph, les gars. Oh, bourbier, de bourberie, c'est n'importe quoi, bordel de merde, c'est ouf. L'Enu qui est midlife, hein, normal, hein, il commence son combat midlife. Ouh, ok, la Coru, Okla qui s'est blindé les résistances neutres, ça va en résistance terre en vrai. Ok, là, la pelle fantôme qui passe instant pour des buffs la maîtrise, ok. Le sac animé. Oh, si l'Enu a une Aztec... Si l'ennemi a une Aztec neutre en vrai, Okla, il a bien eu raison. Hein. Ok, c'est une Aztec terre. L'ennemi qui n'a pas encore perdu, qui met un moins 3 PA. L'ennemi qui met un moins 3 PA à l'Aztec, les gars. C'est un ralentissement de Xelorax. Normal, tu vois. Bon, le moins 3 PA, c'est quand même grave. Même si, bon, Okla, là, qui a beaucoup moins de sagesse que l'ennemi trouve. Donc, c'est quand même assez logique, même si le moins 3 PA, c'est... J'aurais dit à moins 2, ok, tu vois, mais moins 3, c'est quand même grave. Ok, il prend la zone, épée d'Iop pour terminer le sac, plus... Enfin, pour terminer le sac, tout simplement, hein, pour prendre la zone, sac, plus Enutroph. La vitalité, l'appel fanto, qui débuffe la vita. Ok, l'Enu qui s'en bat les couilles pour l'instant, c'est du 1 sur 1. Et l'Enu qui gère bien, est-ce qu'il va plutôt rester à distance? Parce que je vois pas trop comment un Yop peut gagner. Oh, le chaffeur qui passe en crit également, les gars. La boîte de Pandore qui donne les crits. Le chaffeur qui passe en crit juste derrière. Et en vrai, je vois pas trop comment le Yop peut gagner les Nutroph. Si les Nutroph vraiment joue full distance, full retrait PM. Je vois pas trop. Oh, oh. Oh, oh. Ah non, il peut tout pile pas l'avoir. Est-ce qu'il va claquer un bon, du coup? Bon, muti. Ouais, muti plus le coup de cac, le deuxième en plus, les lignes de régène qui sont colossales. Oh purée là, Okla qui vient de prendre, bah, il est déjà quand même bien entamé en vrai Okla. Oh l'Axel en crit, oh l'Axel en crit. L'Enu qui va pouvoir voler un PM sur son chaffeur et qui va pouvoir venir donner des coups de cac sur Okla. Et le PM qui est volé les gars, l'Enu qui a quand même pas mal de réussite là dans ce combat, hein, vraiment. L'Axel crit plus le PM volé par le... sur son chaffeur, et ça lui donne pile poil le nombre de PM nécessaire que pour venir donner un coup de cac et mettre une retraite anticipée. Mais je pense que ça arrange un peu Okla là pour le coup, hein. Je pense que ça arrange un peu Okla. Est-ce qu'il ne le termine pas? Il le termine, nickel. Bah écoutez, Okla qui termine les Nutroph en 2 minutes 36, impeccable. On va essayer de vous trouver un troisième et dernier combat avec le Yop d'Okla, les gars. On se dit à tout de suite. Oh les gars, on se retrouve pour le troisième et dernier combat, Okla avec son Yop contre un Nenny Ripsa. Alors je sais que
Bon, Eneritza contre beaucoup de classes déjà maintenant dans Dofus, sur Dofus Rétro, c'est mission impossible. Mais en plus, quand tu joues avec la moins bonne classe d'entre elles en termes de capacité, je veux dire, le Yop, c'est pas la meilleure classe en PVP de base, même si t'as tous les stuffs du monde, même si t'es un des meilleurs joueurs de Dofus Rétro, ce que moi je considère Okla comme un des meilleurs joueurs de Dofus Rétro au vu de son expérience et au vu des classes qu'il joue. Du nombre de classes avec lesquelles il est quand même à l'aise en PVP. Ouais, ça reste un Yop, donc ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué contre un Lenny. Lenny qui, heureusement pour Okla, n'est pas au gradé. N'est vraiment pas au gradé, donc il y a moyen de moyenner pour moi. Maintenant, on va voir, il m'a dit qu'il nous réservait une surprise pour le corps à corps. On va voir en vrai. Hâte de voir ça. Alors Lenny qui vient faire le focus sur le Doppel, vous voyez la portée du mot blessant, c'est juste n'importe quoi. Il n'y a pas un crack qui vient de lui mettre un tir puissant là. Hein. C'est la portée de Lenny Ripsa juste avec son mot d'envol, tu vois, c'est n'importe quoi. Le mec qui vient de Rox, de belles petites patates au mot blessant, hein, vu la PO, 130 dégâts en crit. À cette distance, c'est un Lenny Ripsa, c'est la classe tank, sur du 30% de raise. Ça passe quoi, tu vois, genre, ouais, cette classe, vraiment, ça devient n'importe quoi. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Alors, maîtrise des épées, le Yop, j'ai pas vu, non, il est pas à la steak. Non. Est-ce qu'il nous ferait pas une hibiscus, là? Oh, les gars. Oh, ça commence à sentir le bourbier. Oh, ça commence à sentir le bourbier pour Lenny, là. Ah oui mon gars, vraiment, enlève-lui des PA, des PM, repousse-le, parce que crois-moi que si c'est ce que je pense, ça ne va clairement pas laisser indifférent. Ouais. Alors j'ai peut-être pas fait attention, mais je pense qu'il a mis le mot d'épine sur le Yop là. Vu clairement il a lancé le mot d'épine et là il vient de. Et là il vient de taper le Yop et il avait des renvois de dégâts. J'ai jamais vu un Yop avoir des renvois de dégâts, sauf peut-être en Prespic, tu vois, mais oui, je pense qu'il a complètement bégayé là pour le coup. D'accord, bon, c'est clairement pas le même Eneritza que sur Galga contre Hibiscus, mais pourquoi pas. Ça reste une classe très forte, comme je l'ai dit. Il y a des classes qui sont vraiment au-dessus du lot comparé à d'autres. Et là vraiment on a, je pense, la meilleure contre la pire. Hein. Vraiment, c'est. La meilleure classe en PVP contre la pire dans le monde des 12 complets, c'est vraiment, en termes de capacité, juste, voilà, tu prends deux joueurs à niveau égal, tu mets un avec un Eni, avec un Yop, je pense que c'est le 10 sur 10 et 1 sur 10, quoi, vraiment, c'est... Ok, l'Eni, mode frayeur, il va essayer peut-être de prendre la zone, bien joué, très bien joué, là, il y a quelques lignes de régène, et ouais, l'Eni qui se prend quelques renvois de dégâts, donc le Yop qui... J'ai bien vu, hein, le Yop qui a le mot d'épine du Doppel. De l'Eneritza, pardon. D'accord. Alors, le Yop, on va voir. Okla, qu'est-ce qu'il nous a réservé? Le Brocle. Et la griffe pourpre, les gars. Je m'en doutais. Les dégâts monstrueux. Les dégâts monstrueux. Presque 1000 dégâts sur le deuxième coup. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lenny, on était 5. Il doit déjà lancer sa recon, mec. Deux coups de cac monstrueux. La griffe pourpre qui est juste colossale. Un truc de fou. Il nous a fait une. Il nous a sorti une hibiscus. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Les coups de cac, c'est un truc de malade. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une colère là? Est-ce qu'il n'y a pas une colère qui tombe à moins 2009 dégâts? Oh bourbier les gars, le nombre de dégâts qu'on a vu en deux tours là, c'est colossal. C'est vraiment colossal. Oh, Eleni qui vient de claquer la recon, il est dans le jus. Okla toujours 2000, plus de 2800 points de vie. Okla est très bien dans le combat les gars. Okla est très très bien dans le combat. Ok, le mot drainant, ça va. Petit mot blessant, hey, ça fait pas tant de dégâts que ça. Regardez, 90 dégâts, mais derrière on a. On a quand même un mot d'épine placé sur un Yop, quoi, tu vois. Genre. C'était clairement pas le bon Yop pour placer ton mot d'épine. Clairement, t'aurais pu faire l'erreur, mais sur un autre Yop, pas sur celui-ci. Oh bourbier, les gars là on a une prêve, hein. Là on est sur une prêve, il se fout le boost, oh putain non! Ça pousse.
Sur une trêve. Les gars, on est sur une trêve, hein. Ça ne paraît pas, hein. La première ligne allait presque passer les 1000 dégâts. Non, c'est trop. C'est trop. Il lui a cassé des dents IRL, là. Hein. Clairement, il lui a cassé des dents IRL, hein. Lenny, il est en train... Il y a des dents qui sont tombées de sa bouche IRL devant son PC. C'est trop, mec. Il est sous prêve. Il lui met la première ligne à plus de moins 800. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, qu'est-ce qu'il peut faire? 16 PA restant. Ok, 660 dégâts. Est-ce qu'il va pas y aller à l'épée d'Iop, là? Il se fout le full muti. Facile à l'épée d'Iop, à moins d'un OC. Non, il a gagné, les gars, contre un ennemi. Un truc de fou, les gars. Quelle vidéo incroyable. N'hésitez pas à vous abonner juste pour ça, les gars. Et allez vous abonner à sa chaîne aussi. Il est incroyable sur toutes les classes. Cet homme est incroyable sur toutes les classes. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Mais écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à la prochaine, les frérots. Bisous.